Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire cette aventure? Alors pour ma part, moi je suis une maman. Mes enfants pour moi c'est très important. Alors j'ai un fils, j'ai une fille aussi. Mon fils a quitté la maison puisqu'il fait ses études et ça fait donc 3 ans que je le vois, 4 ans oui, que je le vois quasiment plus ou très très peu et du coup notre lien ben, il se dessert un peu et j'ai envie de partager ce moment-là avec lui, faire de nouvelles découvertes. Et puis, ben justement, appliquer toutes ces petites notions que j'ai essayé de lui apprendre, le fait d'être positif, ouais. De sourire. C'est vrai que ce sera une bonne occasion de le faire, voilà. Et puis, de sortir un peu de notre vie facile, entre guillemets. Bien sûr. Ouais, voilà. Et donc, toi ? Ben, pour ne pas se répéter ce côté évident, je dirais, du contact mère-fils et resserrer ses liens, effectivement, avant que je parte travailler, tout simplement, dans ma vie professionnelle. Je dirais que moi ma raison c'est aussi et surtout parce que avec mes études d'architecture justement j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu l'importance de l'écologie et aussi de la valeur d'une vie, de la valeur des hommes en général. Et c'est vrai qu'une aventure telle que celle de Pékin Express, je pense que c'est une aventure où on a un tel contact humain, on a une telle vision des autres que voilà, on ne peut plus que considérer cette valeur-là, cette valeur humaine. Et voilà, j'imagine vraiment que c'est une espèce de grande claque. Ça doit être, oui, je pense que une ça grande doit, expérience. Ouais. Ouais, je pense que ça doit être une belle expérience de découverte, de rencontre et d'échange. Ouais, parfait vraiment. Pour effectivement consolider, créer une aventure à deux, un souvenir et puis voilà. Ouais. Donc bon, voilà, c'est notre petite vidéo. On espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de partager cette aventure avec nous. Voilà. Merci. Thank you.